pas arranger ça. C'est reparti. On s'y remet. Arrête de tirer le flanc. Pitié. Non, arrête. Oh. Comment ça va? Hé, hey, je fais que regarder. Oh. Je peux t'aider? Salut, t'as besoin de quoi? Je regarde juste. Tu crois où? Retourne travailler. Je peux t'aider? Ne fous pas dans le passage. Ça va bien? Besoin d'un truc? Alkaï. T'as besoin d'autre chose? Je peux faire autre chose pour toi? Ouais, je peux améliorer ça. Beau matos. Idéal pour le No Man's Land. Si tu cherches autre chose, tu sais où me trouver. À plus. T'es là pour ta moto? Eh, hey, quoi de neuf? Attends un peu, j'ouvre. Éclat. Je t'ai fabriqué quelques trucs utiles, si jamais tu veux passer. Merci, Boozer. Hey, tu passeras dès que possible. Terminé. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. À l'époque de la Révolution américaine, quand on se battait pour notre liberté, on a obtenu le droit de porter des armes. Ce droit, on s'en est servi pour protéger nos familles, nos possessions et nous-mêmes. Mais notre cher gouvernement fédéral s'est mis à avoir peur des gens qu'ils avaient juré de protéger. Au fil du temps, il nous a supprimé tous les droits au port d'armes possibles, en utilisant quelques tueries de masse comme excuse, pour nous priver, nous, citoyens américains, de notre droit divin. Le contrôle des armes à feu. C'était le début de la fin du deuxième amendement, mesdames et messieurs. Dites-moi une chose. Si chaque Américain avait eu un flingue dans les yeux quand toute cette saloperie a commencé, vous croyez qu'on serait dans cette merde? Sûrement pas. Mais c'est ce que voulaient les fédérés. Désarmer le peuple, c'était la première étape pour nous éradiquer. Alors ces lois sur le port d'armes, elles étaient censées protéger qui? Certainement pas nous, les honnêtes contribuables. Un jour, si on se sort de tout ça, j'aimerais bien faire un sondage. Je serai par là pour finir de bouger. C'est pareil, les survivants, ce sera ceux qui avaient des armes. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Ok, Cope. Là, je suis d'accord avec toi. Je vais récupérer tous les flingues que je peux trouver. Et personne mettra la main dessus.
La poursuite de qui, Doc? Ralentis. C'est Roach. Roach, tu te connais. Il roulait avec Léon et Alvarez. Oh putain, Doc, t'aurais pas dû. Oui, il s'est tiré vers le nord avec le tornado. Mes gars l'ont perdu aux alentours de Marion Forks. Ok, je vais essayer de le retrouver. Salut, c'est encore moi. Boozer dit que je devrais arrêter de venir ici. Il me dit sans arrêt que ça sert à rien et... peut-être bien qu'il a raison, je sais pas. Il a salement morflé l'autre jour. On est tombé sur des Reapers qui lui ont cramé le bras. Ça a l'air plutôt grave. J'ai forcé, comment on appelle ça déjà, une unité médicale mobile pour lui trouver des bandages stériles. Et... j'espère que ça suffira. Mais tu connais Boozer. Il dit que ça va, mais perso, j'ai des gros doutes. Sa blessure a vraiment l'air sérieuse. Le truc... c'est que c'était de ma faute. J'ai risqué sa vie. Pour une pièce de moto. Une saloperie de pièce. Qui a servi à rien, en plus. Ce fils de pute de Copland a désossé ma bécane. J'ai bossé un an sur cette moto. Et elle t'aurait plu. Elle était pas aussi belle que celle sur laquelle je t'ai appris à conduire, mais elle faisait le taf. Tu te souviens du réservoir que tu m'avais offert? C'est tout ce qui restait de cette vieille bécane. Et maintenant, je l'ai perdue. Dès qu'elle sera remontée, ma moto, je veux dire, et que Boozer sera en état, on partira vers le nord. On recommencera à zéro. J'ai beaucoup de souvenirs ici. Un peu trop. Bref, tout ça pour dire qu'il est possible que je revienne plus te voir. Qu'est-ce que tu dis de ça?
ce que je peux faire. Ça devrait marcher. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça doit le faire. Vous inquiétez pas, je repasserai plus tard pour finir de vous cramer. Tucker, je l'ai repéré. Il avait l'air d'attendre quelqu'un. Dick, le laisse pas filer. Je le veux vivant. Hein? Merde, Tucker, vivant? D'autres trucs ont disparu. Je veux qu'il nous dise où il a planqué tout ça. Ok, bon. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, Roach, où tu vas comme ça, hein? Je te colle toujours au train, salopard. Ok, très bien. Je me laisse pas le choix. Roach, ralentis, je veux juste causer. Ça te tire d'en voir? Arrête de causer. Tu crois quoi, bordel? Si je voulais te buter, tu
prête la mort. Non, va chier. Tu sais ce que t'as fait à l'air, Royal Varel. T'es parti comme ça, t'as un rancard. Lâche-moi la grappe, Fonson. Bonjour. Comment ça va, mon gars? Tu vois, je t'avais dit que je te buterais pas. Dick, non. J'ai rien fait de mal. Ah ouais? C'est pas ce que dit Tucker. Quand Léon et Alvarez se sont barrés avec la pharmacie du camp, ils ont oublié de te mettre dans le coup, c'est ça? Non, Dick, non. Non, non, dis-moi ce qui t'est passé par la tête. Aide-moi à piger le truc. Toi, t'as pris les restes dès que la vieille a eu le dos tourné. Dick, j'ai rien sur moi, ok? Tu peux vérifier. Je crois pas, non. C'est pas mon boulot. Je laisse ça à Alkaï. Ouais, le tien. Dick, me laisse pas là. Et dis à Alkaï d'envoyer des hommes. Je sais ce que t'avais fait à Léon, ok, Dick? Pitié, ça jeune, allez. Est-ce qu'il avait les médocs? Dick, non. Oui, il est en vie, oui. Pitié. On a roulé ensemble tous les deux, on était potes. Il ferait bien de manier son cul, terminé. Pitié, pitié. Je veux pas mourir. Toi, me laisse pas là. Allez, s'il te plaît, détache-moi. Tu sais où je pourrais trouver... Fais pas le ton. Quoi faire? C'est pour la gamine que j'ai amenée. J'essaie de lui remonter le moral. Elle a dit qu'elle en avait une avant. J'en ai aucune idée. Peut-être à la boutique du cratère Belknap. Sinon, essaie Marion Fox. Ouais, ok, merci. Yeah.
diodes là-dedans. Lisa, j'ai... Va-t'en. J'ai un truc pour toi. Oh, c'est beau. Tu m'emmènes avec toi? Tu peux me ramener à Marion Forks? Je peux pas, désolé, c'est trop dangereux. Je dois aller me coucher. Ils nous font lever tôt pour travailler. Ce que je peux faire. Attends, comment ça va? J'ai pas mal d'oreilles, je dirais. Tu penses quoi? Donner son caillou à la gosse? Ouais.
égayer sa journée. C'est ma nez. John, Copland pour Deacon St. John. On a du taf pour toi. Salut, Copland. Ok, d'accord. Je passerai quand je pourrai. Terminé. Cette zone d'infestation. Faudra que je revienne dans le coin pour finir de cramer la zone d'infestation. Oh!
Hey, tu répondais pas à la radio. Ouais. Je sais pas, j'étais... Oh là, oh là, doucement. Je vais bien, je vais bien. Je voulais... m'éclaircir les idées, tu vois. T'as de la fièvre. Putain, paye ta migraine. T'as de la fièvre. Non, 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 je suis fatigué. Ok, tu restes ici, tranquille. Moi, je vais réfléchir. Hey, j'ai pas besoin d'une nounou, putain, je vais bien. Merde. Allez, réfléchis, mais réfléchis. Viens par ici, je vais te montrer ce que tu cherches. Ouais, trouvé. Oh, allez, concentre-toi un T'inquiète, peu. T'inquiète, je suis concentré. Ok. Alors, celle-ci s'appelle Lavandula angustifolia. Lavande quoi? Ouais, mais vu que j'ai pas fini de rembourser mon prêt étudiant, personnellement, je préfère le latin, vois-tu? Moi, t'en as pour ton argent, fais-toi plaisir. Ok, allez, donne-moi tes mains. Voilà, tu en poses une autour de la fleur. D'accord. Ensuite, tu places l'autre le long de la tige. Ok. Voilà, comme ça. Ensuite, faut tirer tout doucement. Ça va, j'ai déjà arraché du chien dent. Eh ben, c'est pas du chien dent. Tu dois faire preuve de délicatesse. Mais appliquer une pression. Oui, mais sans forcer. T'es prêt? Go. Et voilà le travail. Nickel. Ouais. Dis donc, elle sent pas vraiment la rose. Ok, garde celle-là. Moi, je vais aller en cueillir d'autres. Et donc, pourquoi la lavande? Les gens du labo sont dans tous leurs états. Ils pensent avoir trouvé une sous-espèce de monoterpénoïde mutant qui produise un linalol modifié pouvant... Ah ouais, ah, c'est... merci Einstein, merci vraiment. Désolée. Elle contient une molécule qu'on peut utiliser pour synthétiser un médicament pour les grands brûlés. Là d'où je viens, la seule herbe qui sert à soigner, on la fume. Tu sais, Boozer connaît un type qui a une ferme à genre 5 km d'ici. Oh, mais c'est super. Boozer va finir en prison et il te fera tomber avec lui. Et sinon, qu'est-ce que vous faites d'autre? Des armes chimiques, des armes de destruction massive? Non, 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 non. Enfin, pas moi en tout cas. Ah ouais? C'est dans mon contrat. Mes recherches peuvent en aucun cas être utilisées à des fins militaires. Regarde-moi ça! Attends, oh, allez, l'eau doit être trop bonne! Non, non, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça, tu peux continuer. Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est une longue histoire. Bon, ça fait rien. On peut marcher aussi. J'aime bien marcher. Et si tu m'en disais un peu plus sur tes plantes? Sérieux? Ok. Eh bien, on dit que ce genre-là est non endémique. Tu le fais exprès, hein? Ça veut dire qu'elle n'est pas native de la région. Tu peux remercier Ogden. Qui ça? Eh merde, j'ai posé une question. Peter Skin Ogden, le premier explorateur à avoir traversé cette partie de l'Oregon. Lui et d'autres explorateurs ont apporté toutes leurs plantes médicinales avec eux. Certaines se sont propagées dans la région. La plupart poussent sur les rives des petits lacs et des étangs. Le premier explorateur blanc. Waouh! Tu te mets au politiquement correct? Faut pas croire les clichés sur les bikers. En vrai, on est très très fréquentable. J'en doute pas. On a deux frères de couleur au MC. L'un d'eux est membre à part entière. Je crois pas avoir vu une seule personne de couleur depuis que... je suis arrivée dans ce petit coin de paradis. Ouais, il se trouve que Jack a fait venir des gars de Sacramento exprès pour faire chier des rivaux skinhead. Non, tu me fais marcher. Ouais, je rigole. Oh, Jersey Jim est un vieux pote, c'est moi qui l'ai fait entrer au MC. On a servi dans la même unité. Faudrait que tu passes au club 1 de C4, je te ferai visiter. Tu le trouveras sympa, il est super marrant, il fait une margarita du tonnerre.
Je commence tôt lundi au labo, donc... On sera dans ton lit pour 22 heures, c'est promis. Une proposition pareille, ça se refuse pas. Allez, à toi, essaie d'en cueillir une. De la lavande, tu veux que je cueille de la lavande? Oui, et je veux 3 pieds de lavande, et pas écrasés. Oh, je vais les écraser. Oh, allez. En voilà un. Bien joué. Celui-là? Ouais, continue. Le dernier. Super, amène-les-moi. Oh! C'est pour toi. Waouh, on dirait que la galanterie n'a pas disparu à Ferwell. Ah, mais si c'est le cas, je plaide non coupable. Oh, pauvre chérie. Hey, c'est celle qu'on va fumer tout à l'heure? Non, mais c'est celle qu'on va boire. Je sais faire une tisane du tonnerre avec ça. Sans déconner. Hey, ok, si tu viens chez moi, je t'en ferai une, du moment que tu me déposes à la maison. Ok, super. Je vais te convertir, tu vas voir. Fais-moi penser à m'arrêter pour acheter de la bière en chemin.